Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 8 du défi Un jour, une vidéo. Donc, cette vidéo est en lien par rapport à la vidéo du 3 septembre, donc où je vous ai présenté mes vêtements en taille 1 mois, si je ne me trompe pas. Oui, en taille 1 mois en fille. Là, je vais donc vous présenter les vêtements en taille 3 mois fille. Donc, voilà, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup, beaucoup de vêtements en taille 3 mois pour fille. Et il y en a encore derrière. Donc bon, je sens que la vidéo va être assez longue. Du coup, on va commencer pour les pyjamas vu que c'est la pile la plus grande. Donc niveau pyjama, j'ai d'abord ce joli petit pyjama avec Marie des Aristochats. Quand même ceci tout rose. Ensuite, on a ce petit haut en veste. Enfin voilà, un petit haut avec deux petits moutons qui s'attachent comme ça. Je le mets en pyjama même si je pourrais le mettre en veste. Et je trouve qu'il fait un peu plus pyjama que veste du coup. Ensuite, j'ai ce petit pyjama rose aussi avec un petit lapin. Ensuite, on a ce petit pyjama gris avec des animaux de mer. Donc, hippocampe, méduse, etc. Donc, juste trop chou. Après, on a ce petit pyjama tout rose avec plein de petites étoiles dessus. Encore un pyjama rose aussi marqué pardon, Funny Baby. Un petit pyjama enfin blanc et rose comme ceci avec plein de petits signes. Donc, celui-ci, il a... pas de pied. Après, on a ce petit pyjama là. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis un bébé, celui-là. Après, on a ce petit pyjama là avec un petit tutu que je trouve juste trop mims et un petit nuage qui pleut. Après, on a un petit pyjama rose simple avec plein de petites étoiles. Un petit pyjama blanc et rose avec un petit lapin tout en velours. Un petit pyjama souris comme ceci, mais simple mais mignon. Un petit pyjama comme ceci, donc là c'est rose en velours et du coup là c'est rose et blanc. Après on a ce petit pyjama là. Ensuite on a ce petit pyjama là tout simple. Donc ensuite on va passer donc ce qui est short, pantalon et jupe. Donc niveau short, j'en ai qu'un seul. C'est un petit short comme ceci avec des petits cœurs. Après j'ai qu'une seule jupe aussi, elle est comme ceci. D'abord on a un petit pantalon jaune comme ceci avec... Mince. Une petite écriture juste là. Du coup, pantalon comme si, comme ça, pardon, un petit jogging. Donc, qui va avec ce petit haut là. Après, j'ai un petit leggings comme ceci, donc avec un petit nœud à l'arrière. Un autre petit leggings avec de la dentelle du coup derrière. Encore un petit pantalon rose. Un autre pantalon rose avec plein de petits cœurs. Mais un petit pantalon comme ceci que je kiffe. J'adore cette matière. Ensuite, un pantalon blanc comme ça avec les pieds d'éléphant. Un autre petit pantalon simple en jean comme ça. Et enfin, le dernier pantalon, c'est un petit pantalon blanc comme ceci avec de la dentelle qui est juste trop mignon. Du coup, on passe maintenant au t-shirt. Alors, j'ai tout ça de t-shirt manches longues. C'est juste énorme. Et j'ai que ça, t-shirt manches courtes. Du coup, on va commencer par les manches longues et après par les manches courtes. En premier, j'ai ce petit pull, enfin petit surpull, avec un petit cœur comme ça qui est assez abîmé. Après, j'ai ce petit chemisier comme ceci, petit t-shirt, celui-ci, celui-ci où c'est marqué juste adorable, celui-ci que j'aime trop, celui-ci simple, celui-là, rose simple, petit comme ça, où c'est marqué superstar, un joli Marcel comme ça, où c'est joli, où c'est marqué joli même sous la pluie, un petit surpull comme ceci où c'est marqué... La tête dans les étoiles. Un autre surpull où c'est marqué la chouchoute de papa. Un rose avec un petit lapin. Un rouge mini. Un surpull. Un autre surpull. Un Marcel mini. Un Marcel rose. Un petit t-shirt comme ceci où c'est marqué c'est moi la superstar. Et un petit comme ceci à manches longues où c'est marqué I love you. Me. Maintenant, niveau manches longues, manches courtes, pardon. On a un petit t-shirt comme ceci avec mini. T-shirt avec un B simple. Un petit t-shirt avec une glace, un petit t-shirt avec Snoopy, short comme ceci, un débardeur, un t-shirt gris avec des petits chats sur les manches, un petit t-shirt avec des lapins et des chats. On passe désormais au body parce que c'est la dernière colonne. Donc on a un petit body violet comme ceci, un body simple, un autre body assez simple, un body blanc avec deux petits oursons, un body à manches courtes avec deux petits lapins, le body qui allait avec les pyjama en velours, petit body où il y a écrit pardon, à manipuler avec précaution, petit body comme ça avec un lapin, un autre body comme ça, un body blanc où c'est marqué Born
in 2019. Un body comme ceci, un autre body comme ça, encore un body comme ça avec des lapins, un body comme ça avec des petits bateaux, et enfin un petit body manche courte Marcel. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, gros bisous.